tous les matins. Il pousse comme un missile sur Bruno. Bruno a toujours la même réaction qui est d'ouvrir ses bras et le serre vraiment très fort. On sent qu'il y a un bonheur immense qui se dégage à ce moment-là. Sora, à 100 mètres, il sait que Bruno est à cet endroit-là. Et si Bruno n'est pas dans sa tente quand on arrive le matin, Sora va attendre Bruno devant sa tente. On ne peut pas s'attendre à quelque chose de si fort. Et pour pouvoir le vivre en vrai, il faut accepter que ça se passe et vous passez outre vos a priori. Bisous pour le moment. Bisous. Au détour d'une ruelle, il y a la tente de Bruno. Et en fait, Sora, il s'arrête d'un coup et il se retrouve face à face à Bruno. Il est plein d'a priori. Non, je suis dans une tente. Non, tu vas pas. Seulement, grâce à cela, il ne bouge pas. Au bout d'un moment, mon chien me regarde avec une sorte de supplique dans son regard. Et en fait, Bruno fait un grand sourire. Et cela, en fait, il a sauté dans les bras de Bruno. Bruno, il a un sourire qui est franc, qui est jovial. Vous sentez vraiment que c'est quelqu'un de foncièrement gentil. Cela était très sensible à ça. À partir de cet instant, j'ai décidé de prendre ce trajet de manière quotidienne. Tous les matins, je lui apporte un café, un croissant et un câlin de Sora. Hey! Hello! Je discutais beaucoup avec lui, je lui demandais s'il avait besoin de quelque chose. De temps en temps, il me demandait un peu d'argent. Je lui en donnais volontiers. J'allais tout faire pour aider Bruno. C'était une mission. Il fallait que le quotidien de Bruno change. Je me servais de TikTok en base de données. Et en fait, donc je poste la vidéo sur mon compte. Une demi-heure plus tard, je vois plein de commentaires sur mon téléphone. Je ne comprenais pas. Et je me rappelle avoir envoyé un message à ma chaîne en disant « Je crois avoir fait quelque chose de dingue. » J'ai mis en place une cagnotte. La cagnotte a rassemblé la somme de 5 800 euros. Donc je m'assois à côté de lui. Je lui dis, j'ai une surprise pour toi de la part de toutes les personnes qui ont suivi cette histoire. Ma soeur, elle tombe et il me fait, c'est beaucoup. Il me remercie vraiment très fortement et on sent qu'il est très gêné. On n'a pas souvent l'occasion de pouvoir véritablement changer la vie de quelqu'un. Bruno ? Ouais, Bruno ! Qu'est-ce que tu fais là ? Je n'ai plus de nouvelles jusqu'au jour où j'aperçois Bruno dans un sac de couchage. Bah, en fait, Bruno était finalement toujours à la rue. Et je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé, Bruno ? Il m'a dit, Thibaut, je n'ai jamais eu accès à cet argent. Je n'ai pas de passeport. C'est là où j'ai appris qu'en France, vous pouvez offrir un compte bancaire avec la photocopie d'un ancien passeport. Par contre, quand il s'agit d'accéder à cet argent, il faut le vrai passeport. Le premier pas, c'est d'obtenir le passeport pour qu'il puisse enfin avoir accès à son compte bancaire. Je dis, bon, écoute, Bruno, tu vas passer quelques jours chez moi. Bruno refuse catégoriquement. Donc, je lui ai acheté une tente. C'est bon, vas-y. Entre la nuit où on m'annonce que le passeport est créé et le lendemain où on peut y aller, et je retrouve un Bruno qui est complètement gelé, sans force, sans rien. Are you ready? Yes. Dis, maintenant tu vas finir par venir chez moi. On va te mettre un petit peu au chaud, enfin. C'est quand même pas mal. Sora, viens mon chéri, viens. Viens. Ouais, c'est bien mon chéri. C'est bien. Ça, c'était pas simple hein les gars. C'était une histoire hein, quand même. Yes. Porte quasiment pour arriver chez moi. Are you happy? Yes, very. Pas simple. Il y a le copain Bruno à la maison. Come on. T'es content? Bruno,
Bruno refuse d'aller dans le lit parce qu'il ne peut pas me mettre à la douche dans l'état de faiblesse dans lequel il était, donc je mets une bâche sur mon lit. Can I ask something for nose? Yeah, of course. Quand Bruno s'allonge sur le lit, enfin, Sola ne veut pas bouger. Hola, bonjour. Salut. Comment ça va? Le lendemain matin, j'ai plus à faire mon album. Oh bah oui, allez, bisous. Qu'est-ce que tu fais sur le lit, toi? Sola le suivait partout, il était super content. Ta-da! Va à l'avant, je l'habille en genre idéal. Petit col roulé, petit pantalon, petite chaussure, petite veste bien propre sur lui, petite écharpe. And I can take out mommy and after that, we'll be free, yes? Bon bah voilà, voilà c'est bon, on l'a fait, c'est bon. Aujourd'hui, free. Et voilà, et donc aujourd'hui on va prendre un téléphone à Bruno, comme ça il aura internet. Une fois qu'on a récupéré son argent, il fait « Thibaut, aujourd'hui j'ai mon passeport, j'ai accès à mon compte bancaire, je pense que t'en as assez fait, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir m'en sortir. » Il aura mon numéro de téléphone s'il a besoin de quoi que ce soit, mais il a vraiment envie de se débrouiller tout seul. Il aura toujours mon numéro de téléphone. Bye. Let's go. Yeah! Oh, nice. Look at that! Hey! How nice is that? Look at that! You got, oh my god, TV, everything! You will be like a king! You are jealous of me! Yeah! That's my place! C'était la volonté de Bruno, hein. Il dit filme tout, parce qu'il faut que les gens se rendent compte en fait de l'absurdité du système. Ta-da! New start! New start! It's very good. Yeah. Ah, come on. This is like a dream. Look at your view. La chance, c'est Bruno qui l'a créé parce que c'est lui qui a souri à mon chien. Si Bruno n'avait pas été avenant, si Bruno n'avait pas été souriant, rien de tout ça se serait passé. Bisous pour le man. Bisous. Ah, oui. Bon. Mais c'est qui ça? Ouais, c'est qui ça? L'une de mes plus belles leçons de vie, c'est mon chien et un illustre inconnu qui me l'ont donné. Si j'avais pas cela avec moi, je serais passé 50 fois devant Bruno sans même le regarder. L'amour total d'un animal pour un être humain a vraiment réussi à changer la vie de cette personne-là. Faites confiance au jugement de votre animal.